الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني نجتمع وإياكم في هذا البيت الكريم الذي هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى خلال هذه اللحظات اليسيرات لنتدارس ونتذاكر معا موضوعا هو من الأهمية بمكان حيث إن له صلة قوية بل هو ركن من أركان الإيمان وبإذن الله تبارك وتعالى ونظرا لضيق الوقت سنقتصر في هذه اللحظات لشديد الأسف في الحديث باللغة الفرنسية حتى تعم الفائدة وأعتذر لدى إخواني الذين يفهمون ويتكلمون ويحبون لغة القرآن لكن قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فقد تكون هذه فرصة لنذكر إخواننا بأهمية تعلم اللغة العربية حتى نكون في غنى عن غيرها من اللغات Notre cher frère, nous allons passer ensemble quelques instants dans lesquels nous allons étudier et réviser ensemble un des sujets qui est le plus important, un sujet qui est un des piliers de la foi. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je sais que généralement lorsque l'heure de l'Isha arrive, certaines personnes ont tendance à s'impatienter, même des fois certaines d'entre elles se permettent d'apostropher et d'interrompre le conférencier pendant son discours pour lui dire c'est l'heure de la prière. À la kulli hal, on ne veut pas déranger les gens ni être une cause de soucis pour qui que ce soit, donc on va essayer bi'idhnillahi ta'ala de faire ce discours de façon concise sans pour autant oublier le plus important. Donc comme vous l'a annoncé Cheikh Fouad, hafizahullah, le sujet portera sur les angoisses et les affres du jour du jugement. Mais avant de rentrer dans le sujet, il est important de faire une légère introduction. Donc comme on l'a dit, croire au jour du jugement fait partie des piliers de la foi. Lorsque Jibril alayhi salam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les piliers de la foi, sur la foi, qu'est-ce que la foi ? Il lui a répondu عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et en la prédestinée bonne et mauvaise. Donc on a l'obligation formelle de croire au jour du jugement, ce jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscitera, nous réunira, nous jugera et déterminera quel sera notre séjour éternel, soit au paradis, soit en enfer. Et tout ce qui tourne autour de la foi au jour du jugement rentre dans l'obligation. Donc tout ce qui concerne les détails et événements qui commencent à partir de la mort de l'être humain jusqu'au moment où il s'installe, soit au paradis, soit en enfer, rentre dans la foi au jour dernier. Avant de parler de ce jour-ci,
Vous savez tous que le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, se divise en deux grandes catégories. Le Coran mécois et le Coran médinois. Et dans le Coran mécois, il y a trois grands sujets sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala insiste beaucoup. Qui sont premièrement, tawhiduhu, le fait qu'il soit le seul à mériter l'adoration, car kuffar ou quraish, adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi soit son prophète et messager alayhi salatu wasalam, car Quraysh ont refusé de croire en cela, même si au fond d'eux ils le savaient. Et enfin, le jour de la résurrection. Car Kuffar ou Quraysh ont refusé de croire qu'il arrivera un jour dans lequel Allah Ta'ala fera sortir de la terre les morts pour les juger et les rétribuer en fonction de leurs actions. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans le Coran ces éléments-là, notamment dans le Coran mécois, c'est-à-dire tout le Coran qui a été révélé avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et dans ces passages-là et dans ces versets-là, on a aussi ce qu'on appelle une allusion aux signes avant-coureurs, ces événements majeurs qui auront lieu avant la fin des temps. Dans un hadith, dans de nombreux hadiths, pardon, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a des petits signes et des grands, et que les grands sont au nombre de 10, qu'il y a la sortie du faux messie, Ad-Dajjal, l'imposteur, le borne, la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam, la bête, Gog et Magog, la fumée, et différents tremblements de terre qui auront lieu à différents endroits sur terre, à l'Orient, à l'Occident et vers la région du Cham, et un feu qui sortira de la région du Yémen, qui pourchassera les gens jusqu'à les amener vers l'endroit où ils seront rassemblés. Et ça, c'est un des deux hasr, un des deux rassemblements qui ont eu lieu ici-bas, ou qui auront lieu ici-bas. Le premier, Allah, il y a fait référence dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a réuni les juifs des différentes tribus de Banu Quraïda, de Banu Nadir et de Banu Mustalaq et d'autres tribus qui vivaient dans le voisinage du prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est le premier. Le second aura lieu juste avant la fin des temps. Et il y en aura encore deux autres après le jour du jugement. Nous en tant que croyants, lorsqu'on vient à la mosquée, lorsqu'on fait nos ablutions, lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on adore Allah, quelle que soit la façon à travers laquelle on l'adore, notre but, c'est de réussir cet examen qui s'étend tout au long de notre vie et de réussir aussi le jugement lorsqu'on passera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a décrété que nul parmi les créatures ne serait éternel et qu'elle devrait passer par la mort. Allah Azza wa Jalla dit: "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Tout ce qu'il y a sur elle, c'est-à-dire sur terre, est voué à disparaître. Et ne subsistera, ne restera que le visage de ton Seigneur, plein de bonté et de magnificence. Toute chose est vouée à disparaître en dehors de son visage, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-awwal wal-akhir, le premier et le dernier, awwalun bil-abtida wa akhirun bil-antiha, le premier sans début et le dernier sans fin. Al-awwalu fala shay'a qablahu wal-akhiru fala shay'a ba'dahu. Le premier, il n'y a rien qui le précède, et le dernier, il n'y a rien qui le succède. Donc tous nous allons mourir. Wa kama ja'a fil hadith idha mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Lorsque l'un d'entre vous meurt, alors son qiyama,
sa résurrection a déjà eu lieu. Car lorsqu'on meurt, notre âme est acheminée vers le ciel. Si elle était pieuse, elle traversera le premier ciel, ensuite le second, jusqu'au septième, jusqu'à arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala qui la renverra sur terre. Et si elle n'a pas été pieuse, elle arrivera devant la porte du premier ciel, où on lui refusera l'accès. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Ceux qui n'ont pas cru en nos signes et ont fait preuve d'orgueil par rapport à eux, on ne leur ouvrira pas les portes du ciel. Et ils ne rentreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera par le trou de l'aiguille. Donc les gens, ils meurent. Et ils restent dans leur tombe. Jusqu'à ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher la vérité devant le faux. On verra Isa ibn Maryam alayhi salam pour se débarrasser de l'antéchrist, le faux messie. Ensuite les croyants vivront sur terre une certaine période dans la paix et dans la tranquillité. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla envoie deux tribus parmi les êtres humains, Gog et Magog, qui dévasteront toute la terre, qui détruiront tout sur leur passage. Et les croyants se réfugieront dans les montagnes. Après, Allah fera périr ces tribus de Gog et Magog. Et quelques temps plus tard, Allah enverra un léger vent frais qui aura pour but d'enlever la vie aux croyants. Il n'y a pas un croyant, quel que soit l'endroit où il s'est retiré, sans que ce vent ne l'atteigne et n'ait raison de lui. Il ne restera alors sur terre que les pires des créatures. لا يبقى على ظهر هذه الأرض إلا شرار الخلق. Les pires des créatures. Et Shaitan se manifestera à eux. Il leur dira, Ala tastajibun, allez-vous répondre à mon appel? فيقولون بلى وما طلبك. Ils diront, bien sûr, que demandes-tu? Alors il les appellera à adorer les statues qui étaient adorées auparavant. Al-Lat wal-Uzza wa ghayruhuma. Et alors ils s'adonneront aux pires turpitudes. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. Ils ne connaîtront aucun type de bien possible et n'interdiront aucun type de mal possible. Et c'est sur ces gens-là que leur dernière se dressera. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a chargé un ange parmi les anges rapprochés qui répond au nom de Israfil alayhi salam d'une mission précise de mettre à ses lèvres ce corps, cette trompette dans laquelle il soufflera. Et lorsqu'il soufflera la première fois, alors il n'y a pas une créature qui entendra le bruit de ce souffle sans qu'il ne soit foudroyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cet ange-là dans de nombreux hadiths. Parmi ces hadiths-là, il a dit alayhi salatu wa sallam, كَيْفَ أَنْعَمْ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ في السور. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, comment puis-je me réjouir? كيف أنعم? Comment puis-je vivre heureux? Alors que celui qui possède le corps l'a rapproché de sa bouche, l'a mis au fond, entre ses lèvres. Et il a baissé le front. Et il tend l'oreille. Et dans une version du hadith, يطرف ببصره بحذاء العرش مستعدا لا يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. Dans une version du hadith, il dit عليه الصلاة والسلام qu'il fixe
vers la direction du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cligne pas des paupières et il est prêt à répondre à l'ordre. C'est comme si ses yeux étaient des astres luisants, comme des étoiles qui brillent dans le firmament. Il ne cligne même pas des yeux. Il attend le moment où on lui dira de souffler pour souffler. Les sahaba radiallahu anhum, lama sami'u hadha al-khabar, shaqqa alayhim dhalik. فقالوا يا رسول الله وماذا نقول فقال له لهم عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الصحابة رضي الله عنهم قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزها العيد كالعيد والأوقات أوقات ماتوا وعشنا فهم أحياء بموتهم ونحن في صور الأحياء أموات. Les sahaba radiallahu anhum, c'est des gens qui sont morts et nous, nous sommes vivants. Mais eux, ils restent vivants malgré le fait qu'ils soient morts pendant que nous, nous sommes morts dans des apparences d'être vivants. Quand le prophète leur parlait du jour du jugement, du paradis, de l'enfer, les réactions qu'ils avaient étaient différentes des nôtres. Lorsqu'ils apprirent que Israfil était sur le point de souffler, ça a été dur pour eux à supporter. Alors ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit dire dans une telle situation? Il leur a dit, dites, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quelle merveilleuse garantie. يقول الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Le jugement des gens est proche, il se rapproche, et eux, ils sont insouciants et négligents. Il n'y a pas un rappel qui leur provient de la part de leur Seigneur, qu'il soit récent ou non, sans qu'ils ne se détournent. Leurs cœurs sont distraits. Lahiyatan qulubuhum. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. L'heure s'approche et la lune se fend. Ata amrullah fala tasta'jiluh. L'ordre d'Allah arrive. Ne vous empressez pas. Ne vous empressez pas. Mais les gens malheureusement n'y pensent pas. فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Ils se détournent dans leur insouciance sans y prêter la moindre attention. Donc l'ange, il est sur le point de souffler. Et le jour où il ne restera sur terre que les pires des créatures, Allah Azza wa Jalla lui ordonnera de souffler. فَيَقُومُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Il se tiendra alors entre les cieux et la terre. Et il soufflera. فَيَفْزَعُ النَّاسِ وَيَصْعَقُونَ. Les gens seront alors effrayés et foudroyés. Les gens ne s'attendent pas à une telle chose. Le premier d'entre eux qui l'entendra sera un homme qui sera occupé avec sa monture, son chameau. Il sera en train de l'abreuver ou de la ramener à l'enclos. Il entendra ce cri et tombera foudroyé. Et il n'y a pas un être vivant sans qu'en l'ayant entendu, ne tombe mort. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. On soufflera dans la trompe, sera alors foudroyé tous ceux qui sont sur terre et tous ceux qui sont dans les cieux, sauf ceux qu'Allah aura choisi pour être une exception. Il y aura des gens qui échapperont à cela. Et cela, Allah tabaraka wa ta'ala sait de qui il s'agit. Les gens seront foudroyés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à la terre et aux cieux et à ce qu'ils contiennent
de changer. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Le jour où la terre sera remplacée par une autre ainsi que les cieux. Alors il se passera des choses incroyables et invraisemblables dans la création. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء انفطرت وليقرأ إذا السماء انشقت. خديجة صلى الله عليه وسلم que celui qui veut être réjoui de contempler le jour du jugement comme s'il le voyait avec ses propres yeux, qu'il lise la sourate de l'obscurcissement lorsque le soleil sera obscurci, c'est-à-dire que lorsque le soleil tournera sur lui-même jusqu'à perdre sa lumière, il deviendra noir et n'éclairera plus rien du tout. Lorsque les océans, lorsque les mers et les rivières et les ruisseaux sur terre seront changés en feu, lorsque les montagnes seront décollées de leurs racines et circuleront sur terre comme les nuages, lorsque les chamelles rousses qui sont sur le point de mettre bas seront oubliées par leurs propriétaires. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. شمعنا هذا الكلام؟ العشار هي النوق التي على وشك الوضع. Ce sont les chamelles qui sont sur le point de mettre bas. Et le bien qui a le plus de valeur auprès des Arabes, ce sont les chameaux. Et en particulier parmi eux, les chameaux roux. Et parmi les chameaux roux, ceux qui ont le plus de valeur, ce sont les femelles. Parce qu'elles donnent naissance à d'autres chameaux. Et parmi les chamelles rousses qui ont le plus de valeur, celles qui sont sur le point de mettre bas. Allez chez les Arabes et vous verrez comment ils prêtent attention aux chamelles lorsqu'elles sont sur le point de donner naissance à leurs petits. Lorsque ce jour arrivera, les gens oublieront ce qui a le plus de valeur à leurs yeux. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Lorsque le ciel se déchirera et lorsque les étoiles tomberont comme la pluie. إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. Et dans de nombreux versets, Allah Ta'ala fait référence à la déchirure des cieux. Donc celui qui veut savoir comment se passera la transformation de la création après le premier souffle, dans la trompe qu'il lise, c'est surat, c'est suwar. Mais nous malheureusement, naqra, wa la natadabbar, wa la natasawwar, thumma natasa'al, limadha la nasdadu imana. Et nous malheureusement, on lit le Coran sans réfléchir, sans méditer, sans imaginer. Et après on se demande pourquoi notre foi n'augmente pas lorsqu'on lit le Coran. Alors qu'Allah dit dans le Coran, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ شَبَعْدَهَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsqu'on leur lit les versets du Coran, leur foi augmente. Et des gens viennent voir les imams dans les mosquées ou autres en leur demandant comment je dois faire pour augmenter ma foi. عَلَيْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ. Il n'y a pas plus simple, lis le Coran. Mais lis-le avec méditation, avec réflexion, avec concentration. Ne fais pas seulement un travail de déchiffrage et de décryptage, de simple lecture que n'importe quelle personne qui sait lire l'arabe peut faire. Ensuite, l'ange Israfil sera chargé de souffler à nouveau dans la trompe. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam bayna an-nafkhatayn 40. Entre les deux souffles, il y aura 40. Et le rapporteur c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Qalu ya Abu Huraira 40 yawman, 40 jours? Qala abayt. Il a dit je refuse. Plus précisément, j'ai refusé soit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu nous as informé,
ou soit de donner mon avis sur la question. Abayt, 40 shahran, 40 mois, abayt, je refuse. 40 sana, 40 ans, abayt, 40. Pendant 40 jours, années ou mois, et qu'Allah Ta'ala qui sait, il existera une période dans laquelle Allah Azza wa Jalla, comme il a été le premier, sera le dernier. Et lorsque les créatures auront été foudroyées, il pliera les cieux et la terre dans sa main droite, comme on plie la page d'un livre. Katayyis sijil lil kutub, wa fi qira'ah lil kitab. Et il dira, limanil mulk kul yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Fala ahada yujib. Personne ne pourra lui répondre. Ma min malikin, wala amirin, wala raisin, wala mudirin, illa wa huwa tahta atbaqis thara, qad akalat iddudu jasadah, fama baqiya minhu shay. Il n'y a pas un roi, ou un prince, ou un président, ou un directeur, ou toute personne qui a la moindre autorité sur une autre, sans qu'elle ne soit ensevelie sous les couches de la terre. Ça fait déjà longtemps que les vers ont fini avec son corps. Il n'en reste plus rien. Alors Allah, il répétera une seconde fois, l'imanil mulkul yaoum, à qui le royaume revient aujourd'hui? Personne ne sera là pour répondre. Et une dernière fois, l'imanil mulkul yaoum, à qui le royaume revient aujourd'hui? Fayujibu rabbu tabaraka wa ta'ala ala nafsi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala se répondra à lui-même et dira, lillahi l'wahid il-qahhar. À Allah, le seul, l'inébranlable. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. La royauté reviendra ce jour-là à Allah et il jugera entre eux. Ce jour-là, la vraie royauté reviendra au tout miséricordieux et ce sera un jour très dur pour les mécréants. Ensuite, Allah Azza wa Jalla ordonnera à Israfil, alayhi salam, de souffler une seconde fois. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Ensuite, on soufflera une seconde fois, une autre fois. Et les voici, debout, ils regarderont. Et on soufflera dans la trompe. Et les voici qui sortiront rapidement de leur tombe. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Le jour où il vous appellera, alors vous lui répondrez en faisant ses louanges. قَالَ الْعُلَمَاء يوم القيامة يفتتح بالحمد ويختم بالحمد. Le jour de la résurrection sera commencé avec la louange et sera fini avec la louange. Lorsque les gens sortiront de leur tombe, يمسحون التراب على رؤوسهم. Ils essuieront le sable qu'ils ont sur la tête et ils diront الحمد لله. مهما كانوا وأيا كان كافراً أو مؤمناً, quel qu'ils soient, croyants ou non, ils sortiront de leur tombe en disant Alhamdulillah. Et là, les gens se rendront compte, notamment les incrédules et les mécréants parmi eux, diront Man ba'athana min marqadina, qui nous a réveillés de notre sommeil? Fayujibuhum al-malaika أو المؤمنون على اختلاف بين المفسرين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
Ils diront, qui nous a réveillé de notre sommeil? Et les anges ou les croyants leur répondront, c'est ce que le tout miséricordieux vous a promis. Et certes, les prophètes et messagers ont dit la vérité. Et là, il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah Ta'ala, il a changé la terre, il a changé le ciel. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. Les gens seront rassemblés, ressuscités sur une terre blanche, بيضاء عفراء. عفراء, c'est-à-dire بياض يميل إلى الأحمر. Bayad yamilu ila al-ahmar. C'est-à-dire, c'est un détail supplémentaire au niveau de la couleur. C'est une terre blanche, mais d'une blancheur qui tend vers le rouge, légèrement rosé. Kaqursin naqi. Kaqursin naqi, c'est comme la pâte avec laquelle on va faire du pain. Elle sera plate. Plus aucun arbre. Plus aucun trou. Plus aucune montagne. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Il t'interroge au sujet des montagnes. Dit mon Seigneur, les éparpillera complètement. فيذرها قاعا صفصفا, il laissera un fond plat. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Il n'y aura pas de sentier qui soit tordu ou bien de monticule dans lesquels on pourrait se prendre les pieds. Une terre plate. Tu ne pourras pas reconnaître où tu étais. Est-ce que je suis à Vauréal? Est-ce que je suis dans la région parisienne? Est-ce que je suis en France? Est-ce que je suis au Maroc, en Algérie, au Sénégal, en Arabie, au Mexique? Tu ne peux pas savoir. Aucun moyen de se reconnaître. Et la terre sera élargi. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Et lorsque la terre sera étendue, élargie. عَلَيْهَا الْمَلَايِينَ وَأَضْعَافُ مُضَعَّفَةَ مِنَ الْبَشَرِ. Sur cette terre-là, il y aura des milliards et des milliards et des milliards et un nombre que seul Allah connaît d'êtres humains. Seront-ils seuls? Là. معهم الطيور والوحوش وكل مخلوق هبت فيه الحياة. Il y aura avec eux les oiseaux, il y aura avec eux les animaux et toute créature dans laquelle la vie s'est installée. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. Il n'y a pas une bête sur terre ou un oiseau qui bat des ailes dans le ciel sans que ce ne soit des communautés comme les vôtres. Nous n'avons rien omis dans le livre. Ensuite, ils seront ressuscités, rassemblés auprès de leur Seigneur. وقال عز وجل واذا الوحوش حشرت. Et lorsque les bêtes sauvages, الوحوش, ce sont les bêtes sauvages. Et là, c'est un point important à signaler parce que les bêtes sauvages n'ont pas l'habitude de se rassembler. Il est difficile d'aller dans la savane, dans la prairie, dans la campagne et de prendre les bêtes sauvages et de les faire se rassembler. Eh bien, ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il va rassembler les bêtes sauvages. Donc, si les bêtes sauvages seront rassemblées ce jour-là, min bab awla, ma lam yakul kadhalik, ce qui n'est pas une bête sauvage. Il y aura toutes sortes de bêtes. Celles qu'on connaît, celles qu'on ne connaît pas. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et il crée ce que vous ne connaissez pas. Chaque personne aura pour elle l'espace dans lequel elle se tient debout seulement. Pas plus. Les gens sortiront de leur tombe de différentes façons possibles et imaginables. لَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يبعث كل عبد على ما مات عليه. Toute créature, toute esclave
sera ressuscité de la même façon qu'il est mort. وجاء في الحديث أن رجلا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وجنبوه ما فيه ريح لأنه على الإحرام أو على لأنه محرم ولا يجوز للمحرم أن يمس شيئا من الطيب ثم قال عليه الصلاة والسلام لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا يا نعم كيف البيلغريناج avec le prophète صلى الله عليه وسلم et s'est fait écraser par sa chamelle, il est mort. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ses compagnons, lavez-le, mais n'utilisez pas de parfum, car comme on le sait, lorsqu'on procède à la toilette mortuaire des musulmans, on leur met du camphre, du kafour, ou bien différents types de parfums. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'utiliser du parfum. Pourquoi? Car il est mort en état de sacralisation. Et il a dit ensuite alayhi salatu wa sallam, et il sera ressuscité le jour du jugement en disant, labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Comme le font les pèlerins pendant le pèlerinage, le grand ou le petit. On verra des gens le jour du jugement avec des blessures, desquelles un sang d'une couleur rouge vive coule. La couleur est celle du sang, mais l'odeur est celle du musc. Ce sont les martyrs, ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Il y en a qui sortiront de leur tombe avec un ventre énorme qui les empêchera de tenir debout. La yaqwa ala al-qiyam. Yamilu ila al-yamin tara wa ila al-yasara ukhra wa ila al-yasari ukhra. Il penchera vers la droite à un instant et à un autre, il penchera vers la gauche. C'est comme s'il était touché de folie. Comme un épileptique lorsqu'il est pris de sa crise. Comme s'il était étranglé par un shaitan. Qui est-ce? Innahu akilu riba. Allazina ya'kuluna riba. La yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatuhu shaitan min al-mas. Ceux qui mangent les intérêts ne se lèveront. Qala al-ulama yawm al-qiyamah. La yaqumu ay min qabrihi yawm al-qiyamah. Ne se lèveront de leur tombe le jour du jugement que comme se lève celui qui a été frappé par le shaitan lorsqu'il le touche. Leur ventre est plein, il est gonflé. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé les intérêts, ce qui fait partie des grands péchés. Et ce péché qui malheureusement a été la tentation de beaucoup de musulmans à notre époque. Il y a des gens qui sortiront de leur tombe minuscules, aussi grands qu'une fourmi. Qui sont-ils? Qala alayhi salat wa salam, yuhsharu al-mutakabbiru yawm al-qiyamati ala surati al-dharr. Al-dharr ay al-namla. Yaghshahu al-dhullu min kulli makan. L'orgueilleux sera ressuscité le jour du jugement sous la forme d'une fourmi. Pas la forme physique, mais sous la taille de la fourmi. Il sera englouti par l'humiliation et la honte de toutes parts. Al-kibru kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ramtu an-nas wa karahiyatu al-haq. Ça consiste à dénigrer les gens et à avoir de l'aversion envers la vérité. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Il ne rentre pas au paradis celui qui a dans le cœur l'équivalent d'un gramme d'orgueil. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكبر كل يوم. Le prophète صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس عن الكبر, qui est le plus loin des gens de l'orgueil,
Demandez à Allah protection contre l'orgueil tous les jours. فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ إِذْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Donc nous, on doit le faire encore plus normalement, vu qu'on est plus proche de l'orgueil que lui. عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن الناس يبعثون يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاه، وصنف يركبون، وصنف على وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: les gens seront ressuscités le jour du jugement en trois catégories. Une qui sera à pied des piétons qui marcheront sur leurs pieds. Une autre catégorie qui seront sur des montures. Allahu a'lamu biha. Et d'autres qui seront ressuscités sur leur visage. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي يمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه في على وجهه في الآخرة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا، نعم إنه على كل شيء قدير. Il a dit صلى الله عليه وسلم: le mécréant sera ressuscité le jour de la résurrection sur son visage. Il marchera sur son visage et pas sur ses pieds. Alors il y a un compagnon qui s'est étonné et a dit: ya Rasulallah, comment est-ce qu'il pourra marcher sur son visage? Alors il lui a répondu alayhi salatu wassalam: celui qui l'a fait marcher ici-bas sur ses pieds est capable de le faire marcher le jour du jugement sur son visage. Faqal alayhi salatu wassalam: yuhsharun nas حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا أي غير مختونين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ثم قرأ قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront ressuscités sans chaussures ni vêtements, nus, incirconcis. Aïcha radiallahu anha étonnée, effrayée, car elle est le symbole de la pureté, a dit: ya Rasulallah, les hommes et les femmes, ils seront ensemble, ils se regarderont les uns les autres. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'affaire de ce jour est telle qu'ils ne penseront pas à se regarder les uns les autres. Et dans le verset: chacun d'entre nous aura une affaire qui le concerne et qui le fera oublier le reste. Qui lui fera oublier le reste. Ce jour est tellement grandiose et terrible que tu oublieras ce qui a le plus de valeur à tes yeux. Ya Yohannes, اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Oh vous les gens, craignez votre Seigneur. La secousse du jour du jugement sera terrible. Le jour où vous la verrez, chaque mère, chaque nourrice, toute mère qui allaite son enfant oubliera son nourrisson. Et toute femelle qui a en son sein un fœtus le perdra. Tellement elle aura peur, tellement elle sera effrayée qu'elle avortera sans le savoir, sans le vouloir. Et tu verras les gens sous, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est terrible.
Châtiment d'Allah est terrible. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment vous protégerez-vous ce jour-là de ce châtiment? Si auparavant vous avez été mécréants, le jour qui rendra aux enfants les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont des signes de vieillesse. Et les enfants sont ceux qui sont le plus loin de ces signes-là. Mais ils viennent pas seulement avec la vieillesse, ils viennent aussi avec la peur. Et ce jour-là, les enfants auront tellement peur que leurs cheveux deviendront blancs. قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد شبت يا رسول الله tu as des cheveux blancs وكان الشيب فيه قليل وأكثر شيبه في صدغيه وعنفقته عليه الصلاة والسلام. Il n'a pas beaucoup de cheveux blancs, le prophète صلى الله عليه وسلم, à peine une vingtaine. Les sahaba radiallahu anhum l'observaient tellement et l'étudiaient au degré le plus précis qu'ils savaient même le nombre de cheveux blancs qu'il avait en les ayant comptés. Ils ont dit, ya Rasulallah, on a remarqué que tu as des cheveux blancs. Et l'endroit où il y avait le plus de cheveux blancs, c'était dans Soudre, dans les tempes, et dans l'anfaqa, les cheveux, les poils de la barbe qui sont en dessous de la lèvre inférieure. Tu as les cheveux blancs, ya Rasulallah. Il a dit, alayhi salatu wassalam, shayyabatni hudun wa akhawatuha. C'est quoi qui m'a fait avoir les cheveux blancs? C'est pas les factures à la fin du mois. C'est pas la maison que j'ai commencé à construire et j'arrive pas à finir. C'est pas ma fille que j'arrive pas à marier. C'est pas mon fils qui refuse d'obéir. Non. C'est le Coran. La parole d'Allah. Hud wa khawatuha. La sourate de Hud. Et certains savants ont dit que le verset dans Sourate Hud qui a fait avoir des cheveux blancs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qawluhu ta'ala fastaqim kama umirt. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Sois droit, comme on t'a ordonné. Wa laka ya akhi al-habib an taqifa waqfatan ma'a hadhihi al-aya. Allah azza wa jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. والنبي كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لربه عز وجل وأخشى الناس له وأعلم الناس به. Le prophète صلى الله عليه وسلم est celui qui craint le plus Allah, qui a le plus peur de lui et qui le connaît le mieux. Et Allah lui dit فاستقم كما أمرت لا كما تشاء أنت بل كما يشاء ربك. لأن الإنسان إذا استقام على حسب نيته وإرادته بعيدا عما يريد ربه عز وجل به فإنما هو متبع لهواه وهو أبعد الناس عن الاستقامة. الله لا جوب قفت صلى الله عليه وسلم سوى دغوا كم انت أغدوني با كم تشوفو توا لأنه دي سيبو ما بارك عليها ساسوفي شوي دغوا. Je mange pas de porc, je bois pas d'alcool. Baraka alayhi, ça suffit, c'est pas la peine d'en faire plus. Subhanallah. Qama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hatta tawarramat qadamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la nuit tellement longtemps jusqu'à ce que ses pieds se soient fissurés. Wa kana yasumu hatta yuqal innahu la yuftir. Et il jeûnait tellement à un point où on disait il ne rompt pas son jeûne. وكان يتصدق بما لديه من المال والله يعلم انه لقليل حتى لا يوجد في بيته او في بيوت زوجاته شيء من الطعام سوى الاسودين. اتدرون ما الاسودان؟ التمر والماء. فكان لا يعرف لا الا في تشهده فليتق الله سائله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas, non. Si ce n'est quand il disait la ilaha illallah. Que craigne Allah alors celui qui lui demande. Une femme, une fois, elle est venue avec une tunique qu'elle avait brodée elle-même de ses mains. Une tunique merveilleuse et belle. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, ya Rasulallah, je te l'offre. Je l'ai cousue de mes mains pour que tu la portes. Et les sahaba radiallahu anhum, ils ont vu la tunique et ils l'ont trouvée merveilleuse. Et ils l'observaient comme ça.
Il y en a qui étaient parmi eux. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ma ahsanaha. A'tini iyaha. Il a dit, ya Rasulallah, elle est trop belle. Donne-la-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé en observant le silence un instant. Et un peu plus tard, il a ordonné à ce qu'on lui donne. Et il est parti. Et les sahaba qui étaient présents se sont énervés contre lui. Il dit, hadak Allah, qu'Allah te guide. Tu sais très bien que le prophète ne refuse rien à personne. Tu te rends compte? Quoi que tu demandes au prophète, alayhi salat wa salam, te disait jamais non. Jamais. Ils l'ont dit, qu'Allah te guide. Tu sais très bien qu'il ne refuse jamais une demande. Pourquoi tu as fait ça? L'homme, il a dit, aradtu ba'da mawti an ukaffana fih. J'ai voulu, après ma mort, qu'on se serve de cette tunique comme linceul pour moi. فَكَانَ كَمَا أَرَادَ لَمَّا تُوْفِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ كُفِّنَ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ. Et effectivement, lorsqu'il est mort, il fut enveloppé dans cette tunique qui lui fut office de linceul. عَلَى كُلِّ حَالٍ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Comme Allah il veut, comme Allah il t'a ordonné d'être droit, pas comme toi tu veux. Ça m'intéresse, ça je le prends, ça m'intéresse pas, ça je le prends pas, là. Ala kulli hal, on s'est éloigné du sujet, le jour du jugement est un jour terrible. Ce jour où les gens auront les cheveux blancs tellement ils auront peur. Ce jour où les enfants, ils oublieront leurs parents, ou les parents oublieront leurs enfants, ou les époux oublieront leurs épouses. Où les amis les plus proches et les plus intimes oublieront les autres. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tes propres enfants t'oublieront. وَإِذَا الرَّضِيعُ بِأُمِّهِ مُتَعَلِّقٌ يَخْشَى الْحِسَابَ وَقَلْبُهُ مَذْعُورٌ هَذَا بِلَا ذَنْبٍ يَخَافُ جِنَايَةً كَيْفَ الْمُصِرُّ عَلَى الذُّنُوبِ دُهُورٌ. Tu verras ce jour-là l'enfant accroché à sa mère qui sera effrayé par ce jour terrible. Celui-là, il n'a aucun crime sur les épaules et pourtant il est effrayé. Que doit-on dire alors de ceux qui ont passé de longs moments dans le péché? Imagine-toi ta mère, cette personne qui s'est sacrifiée pour toi de nombreuses fois, qui a subi maintes et maintes douleurs pour toi, qui s'est privée pour toi, qui ne dort pas quand toi tu ne dors pas, qui ne mange pas quand toi tu ne manges pas, et même si l'enfant est un criminel, la mère trouvera toujours dans son cœur de l'amour pour lui. Toujours. Tu trouveras dans le cœur de ta mère de l'amour pour toi, obligatoirement. Hakada fatara Allah ta'ala al-ummahat. C'est comme ça qu'Allah il a créé les mères. Hatta sirna yudrabu bihinna al-mathal fi ar-rahmati war-ra'fati wash-shafaqati wal-mahabba. À un point où on a fait des mères un exemple dans l'amour, l'affection et la miséricorde. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que la mère ne l'a envers ses propres enfants. Et bien ce jour-là, lorsque ta mère viendra à toi, en s'accrochant à toi, en te disant, oh mon fils, je me suis sali pour te nettoyer, je me suis privé pour t'alimenter, je me suis sacrifié pour que tu vives dans le confort et l'aisance. Je ne te demande pas 100 hasanettes, ni 50, ni 10, mais juste une seule pour que je puisse alourdir ma balance. Et toi, tu lui diras comme les autres. Ce n'est pas propre à toi, mais tout le monde le dira. Nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Moi d'abord, moi d'abord. Les prophètes le diront. Lorsqu'on viendra les voir, ils diront nafsi, nafsi, moi d'abord, moi d'abord. Et tu n'échapperas pas à la règle. Les gens seront donc sans vêtements. Chacun il sera dans une situation propre à la façon dont il a vécu ou mort, ou est mort, pardon. قال ابن كثير رحمه الله لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه.
Allah Azza wa Jalla, le très généreux, a fait que cette une tradition dans la création soit toujours en cours. Quelle est-elle? Toute personne qui vit sur une chose mourra sur celle-ci. Et toute personne qui meurt sur une chose sera ressuscitée ainsi. فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الطَّاعَةِ مَعَ أَهْلِ الطَّاعَةِ مُتَّ عَلَى الطَّاعَةِ وَبُعِثْتَ مَعَ أَهْلِهَا وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَمَعَ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ مُتَّ عَلَيْهَا وَبُعِثْتَ مَعَ أَهْلِهَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْأُخْرَى. Si tu fais partie des obéissants et que tu étais avec les obéissants, tu mourras alors sur l'obéissance et tu seras ressuscité avec ses partisans. Et à l'inverse, qu'Allah nous en préserve, si on est avec les désobéissants et qu'on reste avec les désobéissants, on mourra sur la désobéissance et on sera ressuscité avec ses partisans. Ce jour-là, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens n'auront pas de vêtements. Wa awwalu man yuksa nal khalaiq abuna Ibrahim alayhi salam. Le premier d'entre les gens qui sera vêtu ce jour-là sera Ibrahim alayhi salam. ذكر القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة عدة أقوال أهل العلم في شرح ذلك وأحسنها والعلم عند الله. القرطبي رحمه الله évoque de nombreuses paroles en guise d'explication à cet élément là. Pourquoi Ibrahim sera le premier alayhi salam à être vêtu? Il y a plusieurs paroles et la plus correcte, et Allah sait mieux, c'est qu'Ibrahim alayhi salam لما ألقي في النار أمر الله تعالى النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. Quand Ibrahim a été jeté dans le feu par son peuple, par son propre père, Allah a ordonné au feu d'être une fraîcheur et une paix pour lui. Mais pour lui seulement, pas pour ses vêtements. فلما خرج من النار كان عاريا بعدما تحرقت ثيابه. Lorsqu'il est sorti du feu, il était nu. Après que ses vêtements aient été consumés par le feu. فجزاه الله تعالى بهذا الثواب العظيم حيث كان أول من يكسى يوم القيامة بعد أن تجرد من ثيابه في ذات الله سبحانه وتعالى. Allah a voulu le récompenser le jour du jugement car il a été dépourvu de ses propres vêtements jusqu'à être nu. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah l'a récompensé ainsi, wal jaza'u min jinsil amal, et la rétribution est en conformité avec la nature de l'action jusqu'à ce qu'il ait été le premier à être vêtu. Wa shay'an fa shay'an yuksan nas ala hasabi a'malihim fi dunya. Et petit à petit les gens seront vêtus en fonction des actions qu'ils accomplissaient ici-bas. Wa ja'a fi hadith أن الناس في ذلك اليوم ينتظرون انتظارا طويلا فيظمؤون ظمأ لم يعرفوا مثله قط ويصابون بالجوع لم يعرفوا مثله قط ويكونون في العري لا ثياب عليهم يستترون بها فمن أطعم أحدا لله في هذه الدنيا أطعمه الله في ذلك اليوم ومن كسى أحدا لله تعالى في هذه الدنيا كساه الله تعالى في ذلك اليوم ومن سقى أحدا لله تعالى في هذه الدنيا سقاه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. Donc les gens auront faim, les gens auront soif, les gens seront nus. Jamais ils n'ont connu ni nudité, ni soif, ni faim comme celles qu'ils connaîtront ce jour-là. Mais celui qui ici-bas a nourri des pauvres pour Allah, Allah le nourrira ce jour-là et le préservera de la faim. Celui qui a donné à boire aux assoiffés pour Allah ici-bas, Allah l'abreuvera et il ne connaîtra pas la soif. Et celui qui a vêtu des gens qui n'avaient pas de quoi se vêtir ici-bas pour Allah, eh bien Allah Ta'ala les vêtira ce jour-là. Et il y aura parmi les gens des femmes qui seront vêtues elles aussi avec des tuniques de goudron inflammables
Dès qu'elles seront touchées par la moindre étincelle, elles s'allumeront. Qui sont-elles ? إنهن النائحات والنياحة من أمر الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ce sont les femmes qui se lamentent sur leur mort en exagérant jusqu'à se tirer les cheveux, se frapper le visage et se déchirer les vêtements. Ça, c'était les femmes d'avant l'islam qui agissaient ainsi. Et le prophète nous a informé عليه الصلاة والسلام que dans sa communauté il y aura aussi des gens qui le feront. Là, celles qui se lamentent, si elle ne se repent pas, elle sera ressuscitée le jour du jugement avec sur elle un jilbab min qatiran, une tunique de goudron qui sera allumée par le feu, wal'iyadu billah. Les gens resteront ainsi jusqu'à ce qu'Allah leur envoie un ange. Et cet ange-là les appellera. Yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Le jour où le héros, celui qui appelle, les appellera de près. قال المفسرون على صخرة بيت المقدس حررها الله من أيدي العابثين. Il sera sur le rocher du dôme de Masjid al-Aqsa qu'Allah la libère des mains des impurs. Cet ange se tiendra debout. منهم من قال إنه جبريل منهم من قال إنه إسرافيل والله أعلم بمن هو. Et il appellera les gens. Il leur dira venez. Et ils le suivront. Les gens le suivront jusqu'à où? Jusqu'à l'endroit où le jugement aura lieu. Ardul Mahshar, celle qui se trouve Fisham, celle qui se trouve dans la région de la Palestine et de la Syrie. Et dans le Coran, قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Et chaque âme viendra ce jour-là, elle aura avec elle un conducteur et un témoin. قال العلماء إنهما الملكان الموكلان بكتب الأعمال الحسنات والسيئات. Ce sont les anges qui sont chargés d'inscrire les actions, les bonnes et les mauvaises. Celui qui est à ta droite et celui qui est à gauche. Il y en a un qui te montrera le chemin et l'autre qui témoignera pour toi ou contre toi. Et tout à l'heure on a dit que les gens seront divisés en plusieurs catégories. Certains qui marcheront à pied, d'autres qui seront sur des montures et d'autres qui marcheront sur leur visage. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Le jour où nous rassemblerons les pieux وفدا en groupe. قال بعض المفسرين c'est-à-dire sur des montures على نجائب من نور, sur des montures de lumière. Les gens se rendront donc sur place et attendront. شاخصة أبصارهم 40 سنة. هذا فقط في كيفية نظرهم وانتظارهم. 40 ans les yeux hagards ouverts sans cligner des yeux, à scruter le ciel et à attendre. Et ils resteront 50 000 ans. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 000 sana. Dans un jour qui durera 50 000 ans. Et durant cette journée, Allah ordonnera au soleil de descendre jusqu'à arriver au-dessus de leur tête. Fa yashtaddu 'araquhum. Alors ils auront beaucoup de sueur. Fa ya'raqu an-nas 'ala qadri a'malihim fi ad-dunya. A'malihim as-sayyi'ah. Les gens sueront en fonction de leurs mauvaises actions ici-bas. Plus ils ont fait de mauvaises actions et plus ils sueront. Il y en a dont la sueur atteindra les chevilles, d'autres dont la sueur atteindra les genoux, d'autres dont la sueur atteindra les hanches, d'autres dont la sueur atteindra les épaules, d'autres dont la sueur atteindra le lobe de leurs oreilles et d'autres qui se noieront complètement dans leur sueur. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala créera une ombre pour ses serviteurs pieux et vertueux, afin qu'ils soient en paix à attendre le jugement. Et dans le hadith, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ وَالْمُؤْمِنُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ.
cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura donc que la sienne. Et l'homme est sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Quand tu donnes ton argent pour Allah, Allah Azza wa Jalla créera une ombre pour toi le jour du jugement qui te préservera de la chaleur torride de ce jour-là. Et pendant cette journée, Allah tabaraka wa ta'ala donnera à chaque prophète un bassin, un haoud. Wa haoudu nabiyina sallallahu alayhi wa sallam akbaruha. Masiratuhu shahr. Ma'uhu ahla min al-asal. وأبيض من اللبن وكيزانه كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. Tous les prophètes auront un bassin avec eux. Et chaque communauté ira voir son prophète pour boire. Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam a une largeur équivalente à un mois de marche. Son eau est plus blanche que le lait. Elle est plus sucrée que le miel. Les récipients qui sont autour de ce bassin sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Quiconque en boira n'éprouvera plus jamais la soif après cela. Et il y a des hommes qui viendront boire et s'approcheront du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fayujarruna ila al-yasar. On les tirera vers la gauche. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي وفي رواية لم يزالوا يرتدون على أدبارهم يضرب بعضهم أعناق بعض. Et on les tirera, on les poussera sur la gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, Ya Allah, ce sont mes compagnons, des musulmans de ma communauté. On lui dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ce qu'ils ont changé, baddalu wa ghayyaru, de la religion de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, la oula dhiq al-waqt, si on n'avait pas beaucoup de temps, ou bientôt si on avait plus de temps, je vous aurais cité des paroles de salaf, des sahaba radiallahu anhum. Pas longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouvait dans la mosquée, regardait les gens et disait, Wallahi la na'arifu min hadad din siwa hadihi salah. Il a dit, on ne reconnaît plus rien à cette religion, c'est la prière. Ça c'est quelques années après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il dirait s'il verrait nous aujourd'hui ce que les gens y font? Qu'est-ce qu'il dirait? Wala hawla wala quwwata illa billah. Les gens ne cessent de changer et de modifier l'islam jusqu'à en sortir wal iyad billah. Et à se combattre les uns les autres, s'entretuer. Les musulmans s'entretuent. Alors, le prophète dira alayhi salatu wassalam, que soit éloigné celui qui a changé. Que soit éloigné celui qui a changé. Et les gens resteront ainsi 50 000 ans à attendre. Dans la soif, à se noyer dans leur sueur, un tel, dans tel châtiment parce qu'il est mort ainsi et ainsi de suite. Alors les gens se réuniront et chercheront une solution pour qu'Allah Ta'ala commence le jugement. Alors, ils iront voir Adam en lui demandant d'aller voir Allah Ta'ala pour qu'il commence le jugement, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Nuh. Ils iront voir Nuh, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Ibrahim. Ils iront voir Ibrahim, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Moussa, ils iront voir Moussa, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Issa. Ils iront voir Issa, il refusera. Allez voir autre que moi, allez voir Muhammad. Ils iront voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dira ana laha, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui ai été désigné pour intercéder en votre faveur. Wa hadha ma yusamma bi shafa'ati al-uzma wal maqam al-mahmoud. C'est l'intercession majeure. Et c'est la station noble et louable que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupera. Wa qala alayhi salatu wa sallam, ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamah, wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, wa fi riwayat al-ard, wa ana awwalu shafi'in, wa ana awwalu mushaffa'. Je suis le plus noble des fils d'Adam le jour de la résurrection. Et je suis le premier sur lequel la tombe s'ouvrira. Et je suis le premier à intercéder, et je suis le premier à qui on accordera l'intercession. Alors,
il se dirigera vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se prosternera, masha'allahu an yabqa sajida, un temps que seul Allah ta'ala sait, dans lequel il fera les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui insufflera des formules de louanges que jamais personne auparavant n'a pu imaginer, quand bien même il serait le plus éloquent des gens. Alors Allah ta'ala lui dira, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Ô Muhammad, lève la tête, demande, on te donnera, et intercède, on répondra favorablement à ton intercession. Fayaqulu ya Rabbi ummati ummati. Ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. On lui répondra, inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. On lui dira, nous te satisferons dans ta communauté et nous ne t'avilirons point. Fahmad rabbaka ayyuha al-muslim an ja'alaka Allahu muslima. Was'alhu at-tawfiq wa as-sadad wa an yumitaka 'ala al-islam. Remercie ton Seigneur aux musulmans d'avoir fait du fait qu'Allah ait fait de toi un musulman et demande-lui de te faire mourir musulman. Souviens-toi Youssouf alayhi salam quand il a dit tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Un prophète, et quel prophète Youssouf? Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim alayhi wa ala abaihi as-salatu was-salam. Il demanda à Allah de le faire mourir musulman et de le faire rejoindre les pieux et les vertueux. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Alors Allah Azza wa Jalla viendra. Son trône sera porté par les anges. Et les anges descendront les uns après les autres sur cette terre-là. Le ciel se déchirera. Et les anges descendront ciel après ciel. Le premier ciel, ensuite le second, ensuite le troisième, jusqu'au septième. Et ils entoureront toutes les créatures. Wal malaku ala arja'iha. C'est-à-dire sur les confins de la terre. Pourquoi? Parce que ce jour-là, les gens, lorsqu'ils verront, lorsqu'ils assisteront à ce spectacle, seront effrayés. Yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim. Le jour où vous partirez en courant, vous n'aurez aucun échappatoire en dehors d'Allah. Et les anges seront aux limites de la terre et ils repousseront les êtres humains et les djinns qui essayent de se sauver. Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bis-sultan. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar? Kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. L'être humain ce jour-là demandera où fuir. Il ne trouvera aucun échappatoire, il ne pourra pas sortir. Et là, les anges viendront avec le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. 8 anges. Et là, les êtres humains, ils verront Allah azza wa jal. Fi surati allati yasha'a an yatajalla lahum biha. Selon la forme, l'image, l'apparence qu'il aura choisi pour se montrer à eux. Fayus'aquna marratan ukhra. Ils seront tous foudroyés à nouveau en assistant à ce spectacle-là. La vision des croyants envers leur Seigneur sera ru'yatu takrim wa tashrif. Ce sera une vision d'honneur et de... alors que celle des koufars envers leur Seigneur sera une vision terrifiante et effrayante. Ils tomberont tous foudroyés. Et souviens-toi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam ala suratihi allati khuliqa alayha, mada hasala la? Qu'est-ce qui lui est arrivé quand il a vu Jibril alayhi salam sous sa véritable forme? Il s'est évanoui, foudroyé. Et qu'est-ce qui est arrivé à Moussa alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah de se montrer à lui? Qala rabbi arini anzur ilayk. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين.
Moussa a dit à Allah, montre-moi que je te vois. Allah lui a dit, tu ne me verras pas, mais regarde la montagne. Si jamais elle reste sur place, alors tu me verras. Lorsque ton Seigneur s'est montré à la montagne, elle a éclaté, elle a volé en éclats. Et Moussa est tombé foudroyé. Lorsqu'il a repris ses esprits, il a dit, gloire à toi, ô Seigneur, que tu sois sanctifié. Je me repens à toi d'avoir effectué une telle demande et je suis le premier des croyants à croire que tu ne seras pas vu ici-bas. Mais dans l'au-delà, le croyant verra son Seigneur. هل تضامون أو تضرون أن تروا الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب أو القمر ليلة البدر لا والله فكذلكم ترون ربكم يوم القيامة. Est-ce que vous avez du mal à voir le soleil au plein milieu du ciel lorsqu'il n'y a pas de nuages? Est-ce que vous avez du mal à voir la lune lorsqu'elle est pleine, en pleine nuit? Eh bien, ainsi vous verrez votre Seigneur le jour du jugement. Vous ne devrez pas vous serrer les uns contre les autres pour le voir. Et là, Allah Azza wa Jalla, il dira, لَقَدْ أَنْصَتُ إِلَيْكُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا كَثِيرًا فَأَنْصِتُ الْيَوْمَ إِلَيْ. Je vous ai beaucoup écouté, ici-bas, et je me suis tué. Maintenant, c'est votre tour. Et il dira, subhanah, أَلَمْ أَعَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Ô fils d'Adam, n'ai-je pas pris votre engagement à ne pas adorer le Shaitan? Il est certes pour vous un ennemi manifeste. Et adorez-moi, c'est ça le droit chemin. Et Shaitan a égaré parmi vous de nombreuses générations si seulement vous aviez réfléchi. Si seulement vous aviez raisonné. Et là, Allah ordonnera à l'enfer d'apparaître. Tuqadu laha sab'ouna alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'ouna alfa malakin yajurrunaha. Elle sera tirée avec 70 000 brides, 70 000 chaînes, et avec chaque chaîne 70 000 anges qui l'attirent. Waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra. Ce jour-là, nous apporterons l'enfer, nous ramènerons l'enfer, et l'être humain, il le verra, avec ses yeux. يخرج من النار عنق فيه عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما ولسان تنطق به تقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Sortira de l'enfer un coup, dans lequel il y a deux yeux avec lesquels l'enfer regarde, deux oreilles avec lesquelles l'enfer entend et une langue avec laquelle l'enfer parle. Elle dira, on m'a chargé de trois types de personnes. Tout tyran, tout polythéiste et toute personne qui a reproduit la création d'Allah. Le jour où on dira, l'enfer es-tu pleine? Elle répondra, est-ce qu'il y en a encore? إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Lorsque l'enfer les verra de loin, tous les êtres humains l'entendront vociférer et hurler et crier. Elle est en colère, elle veut sa part. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار لربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام احتجت النار والجنة فقالت يا ربي لا يدخل فيها فقالت الجنة يا ربي لا يدخل فيها إلا الضعفاء وقالت النار يا ربي لا يدخل فيها إلا الظالمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيقول فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل منكما ملؤها. L'enfer et le paradis se sont pleins. Le paradis a dit à Allah, ne viendra chez moi que les pauvres et les faibles. Et l'enfer a dit à Allah, ne viendra chez moi que les injustes et les tyrans. Alors Allah a dit au paradis, tu es ma miséricorde et je fais miséricorde avec toi à qui je veux. Il a dit à l'enfer, tu es mon châtiment et je châtirai avec toi à qui je veux. Et chacun d'entre vous sera plein.
Après Allah Azza wa Jalla jugera les gens. Et avant d'être jugé, les actions seront exposées. يَوْمَ يَذِينْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. Ce jour-là, vous serez exposés. Rien de vous ne sera caché. فَكَمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَدْ كُنْتَ أَخْفَيْتَهَا أَظْهَرَهَا اللَّهُ لَكَ وَأَبْدَاهَا وَكَمْ مِنْ كَبِيرَةٍ قَدْ كُنْتَ نَسِيتَهَا ذَكَّرَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا. Combien de grands péchés tu avais oublié? Ce jour-là, Allah va te les rappeler. Combien de catastrophes tu as essayé de cacher? Ce jour-là, Allah va les divulguer. Rien ne sera caché. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu es un croyant. Et Allah te préservera des yeux des gens. Comme a fait le hadith, قال عليه الصلاة والسلام, يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه أي يستره فيقول له لقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول العبد المؤمن ربي أعرف ربي أعرف. حتى جاء في بعض الروايات أنه يكاد يقر أنه هالك لذلك العبد. فيقول الله تبارك وتعالى له كما سترتها لك في الدنيا سأسترها لك اليوم وأغفرها لك. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah rapprochera de lui le croyant le jour du jugement jusqu'à le cacher et le préserver du reste des gens. Personne ne saura ce qui se dit entre lui et son serviteur. Allah lui dira, tu as fait telle chose et telle chose, tel jour et tel jour. Tu as volé, tu as menti, tu as triché. Tu ne t'es pas arrivé pour la prière de l'Fajr, tu n'as pas fait le pèlerinage. Il lui dira ces choses-là. Et le croyant répondra avec humilité, mon Seigneur c'est mieux. Mon Seigneur c'est mieux, jusqu'au point où il sera persuadé qu'il sera fichu. Alors Allah lui dira, comme j'ai caché tes péchés ici-bas, je te les cache aussi aujourd'hui et je te les pardonne. Quant aux autres, فَالْفَضِيحَةُ الْكُبْرَى. Quant aux autres, ce sera le grand scandale. Pas de préservation. Pas de dissimulation. Devant tout le monde, on dira, imagine-toi, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, devant ton père, devant ta mère, ton épouse, tes enfants, tes frères, tes amis, ceux qui te respectaient. Imagine, tu as volé, tu as menti, tu as trahi, tu as forniqué, tu as bu de l'alcool, tu as pris de la drogue, tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. Et la liste, elle est longue. Vous la connaissez comme moi. Imagine la honte que tu ressentiras ce jour-là. بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب من خلقي وتأبى في الهوى كربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي. Comment est-ce que tu peux avoir honte de faire des péchés devant les gens et tu n'as pas honte de les faire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu diras à Allah le jour du jugement lorsqu'il te dira, pourquoi tu as eu plus honte d'eux que de moi? Qu'est-ce que tu lui répondras ce jour-là? قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. Le jour du jugement, il n'y a pas un parmi vous sans qu'Allah ne s'adressera à lui directement sans qu'il n'y ait entre eux un interprète. Il regardera à sa droite, il verra que ses actions. Il regardera à sa gauche, il ne verra que ses actions. Il regardera devant lui et verra que l'enfer. Craignez alors l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date que vous donnez en aumône. Des fois, Shaitan, il vient te voir et te dit quoi? Ah, j'ai que 50 centimes dans mon porte-monnaie. C'est pas suffisant pour une sadaqa, je peux la donner, non? La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ne néglige rien du bien, rien. Walaw an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux et souriant. Les gens seront jugés. Ensuite, les registres d'action voleront. J'avais tout al-hadd. Je suis né. J'ai demandé à Fred s'il n'y avait pas une montre devant moi, il m'a dit qu'il n'y en avait pas.
اعتذر ايش فيني سيوتي ان شاء الله تعالى. وان كان مثل هذا الموضوع يستحق ان نقضي فيه الساعات الطوال ليس كذلك اخواني. على كل حال اكسكوز جي با فيو لو تان باسي جوست بور كو اون فينيرا لا دسو. كيس كو جي ديزا ديجا احسنت بارك الله فيك. نعم لي روجيستر دي اكسيون دون لكيل نوز اكسيون سوت انسكريت parmi les fonctions de l'qarn, c'est-à-dire de sourd, cette trompe dans laquelle soufflera Israfil alayhi salam, ce n'est pas seulement d'indiquer la fin des temps et le début du jour du jugement, non. Aussi, lorsqu'il soufflera la deuxième fois, toutes les âmes de toutes les créatures sortiront de cette trompe-là pour retourner à leur corps respectif. Et aussi, les livres des actions des êtres humains, ceux dans lesquels tout ce qu'ils font est écrit, sortiront de là, après que les gens aient été jugés. Et ils voleront. وَيَذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Ils voleront. Tu verras le ciel se remplir de parchemins et de registres. Et chaque livre sait à qui il appartient et sait où le trouver. Et là, instinctivement, tu sentiras en toi une force qui te poussera soit à présenter la main droite, soit à présenter la main gauche. Si tu prends la main droite, fatou balak, réjouis-toi. Si tu prends la main gauche, awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Malheur à toi, encore une fois malheur à toi. Ensuite, Allah érigera les balances et nos registres y seront posés et nos actions y seront pesées. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Ceux dont les balances seront lourdes feront partie des vainqueurs. Et ceux dont les balances seront légères, voici ceux qui auront perdu leur propre personne et resteront éternellement en enfer. Ensuite, Allah Ta'ala ordonnera à ce que un pont soit érigé au-dessus de l'enfer. Et il faudra traverser ce pont-là pour arriver au paradis. Mais avant d'arriver à ce pont-là, Allah Azza wa Jalla ordonnera à chaque personne qui adorait quelque chose ici-bas de le suivre. Ceux qui adoraient le soleil suivront le soleil. Ceux qui adoraient la lune suivront la lune. Ceux qui adoraient les statues suivront des statues. Et ils seront tous derrière ceux qu'ils ont adorés jusqu'à plonger dans les abysses et le gouffre de l'enfer. Il restera que les croyants et les munafiqins et les hypocrites. Et à ce moment-là, Allah Ta'ala ordonnera à ce que la lumière disparaisse. Et Allah donnera à chaque croyant une lumière en rapport avec les actions qu'il a fait ici-bas. Il y en a qui auront de la lumière comme des montagnes, d'autres comme une grande personne. Et chacun en fonction de ses actions jusqu'à ce que celui qui a le moins de lumière parmi eux est quelqu'un qui a de la lumière qui s'allume sur son orteil, son gros orteil. Elle s'allume un peu, il avance quand elle s'allume. Elle s'éteint un peu, il s'arrête quand elle s'éteint. Quant aux hypocrites, ils n'auront aucune lumière. Ils diront aux croyants, « Unduruna naqtabis min nurikum. Attendez-nous qu'on profite de votre lumière. »« Qila lahum. Irji'u wara'akum. » On leur dira, « Retournez derrière. »« Faltamisu nura. » Recherchez la lumière là-bas. « Fadhuriba baynahum bisur. » Lahu bab. Et une muraille se dressera entre eux, dans laquelle il y aura une porte. À l'intérieur de la muraille, Ar-Rahma, le paradis. Et à l'extérieur, le châtiment, wal-iyadu billah. Allah Azza wa Jalla, à nouveau, se présentera aux croyants et leur dira, qu'avez-vous à ne pas avoir suivi celui que vous adoriez ici-bas? Ils diront, on l'attend, il ne s'est pas encore présenté. Allah leur dira, comment le reconnaîtrez-vous? Ils diront, on a un signe qu'il nous a donné. Wa huwa qawluhu ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Le jour où la jambe sera découverte. Et lorsqu'on dit la jambe d'Allah Azza wa Jalla, c'est une jambe qui lui est propre et qui sied à sa grandeur et à sa perfection et qui ne ressemble en rien à celle des créatures. فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَمَا دَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Allah, rien qui est comme lui. Il est parfait. C'est la quintessence et le summum de la perfection. On ne peut pas l'imaginer. Et il n'est pas comme ses créatures. Donc quand on dit Allah, il a une jambe qui est propre à lui, qui sied à sa perfection et à sa grandeur, et qui ne ressemble pas à celle de ses créatures. Allah découvrira sa jambe,
Et là, tous les croyants, instinctivement et directement, se prosterneront. Quant aux hypocrites, ils verront leur colonne vertébrale se changer comme celle des vaches. Impossible pour eux de courber l'échine. Et ils resteront droits comme des poteaux. Allah, ici, dévoilera leur hypocrisie. Et ils feront partie des gens qui seront dans le plus bas degré de l'enfer. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ils seront dans le plus bas degré de l'enfer et tu ne retrouveras jamais aucun secoureur. Alors, les croyants resteront ensemble. Tous. Tous ceux qui ont suivi les prophètes ici-bas. Et ils passeront sur le pont. Chacun en fonction de ses actions. Plus tu as été pieux ici-bas, plus tu passeras vite sur ce pont. Jisrun adaqqu min ash-sha'r wa ahadd min as-sayf ala haffatayhi kalalib wa khatatif takhtif an-nas fayahwuna biha fayahwuna fi qa'ri jahannam wal 'iyad billah. Sur les côtés de ce pont-là, un pont pardon qui est aussi fin que le cheveu, aussi aiguisé et tranchant que la lame de l'épée, sur les côtés des crochets qui happent ceux qui passent dessus. Et celui qui se fait attraper, il tombera des années et des années dans le fond de l'enfer. Les gens passeront en fonction de leurs bonnes actions. Certains comme en un clin d'œil, d'autres comme la foudre, d'autres comme le vent, d'autres comme les chevaux les plus rapides, d'autres comme les chameaux de course, d'autres comme l'homme qui court vite, d'autres comme l'homme qui marche, d'autres comme l'homme qui rampe sur son ventre, ou encore l'homme qui rampe sur son derrière. Il y en a qui tombent, et il y en a qui arrivent de l'autre côté. Et si tu veux marcher vite sur ce pont-là, eh bien sois rapide quand Allah t'ordonne une chose. إِذَا جَاءَكَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَسْرِعْ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ يَكُونُ سَيْرُكَ عَلَى ذَلِكَ الْجِسْرِ سَرِيعًا وَإِلَّا فَلَا. Si tu veux être rapide sur ce pont-là, sois rapide à l'obéissance d'Allah quand son ordre te parvient. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La parole des croyants, lorsqu'on les appelle à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, est de dire on a entendu, on a obéi. Tout de suite. C'est pas pas encore. Non, tout de suite, le plus rapidement possible, tu n'en sortiras que plus avantagé le jour du jugement. Après avoir traversé ce pont-là, ils arriveront devant le Qantara, un autre pont dans lequel les croyants purifieront leur poitrine de tout mauvais sentiment qu'ils ont les uns envers les autres. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَانًا عَلَى صُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. Et c'est seulement quand ils seront purifiés de الضَّرَائِنْ وَالْأَحْقَادْ وَالْبَغْضَى, de tout ce qui est mauvais comme sentiment, rancune, rancœur ou haine, qu'ils seront dignes de rentrer au paradis. وَهَذَا حَدِيثٌ آخَرٌ لَعَلَّنَا لعل الله ييسر لنا لقاء آخر حتى نتمه بإذن الله سبحانه وتعالى. C'est un autre sujet et qu'Allah nous permette une autre rencontre pour qu'on puisse le compléter. أعتذر إليكم مرة أخرى, je m'excuse une deuxième fois, c'est à cause de fois il n'a pas mis de montre devant moi, pour avoir dépassé le temps. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ذلك اليوم من المفلحين وأن يعيننا في هذه الدنيا على طاعته وأن يجعل حولنا من عباده أهل طاعته. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا مع المسلمين تحت لواء سيد المرسلين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها, اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.